cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. J'ai commencé la boxe française très jeune, puisque j'ai commencé là, j'ai 8-9 ans. Et chez nous, c'est un peu de tradition dans la famille, puisque quand on était dedans, on a baigné dedans très jeune. Et voilà, on a fait nos premières armes en boxe française. On était au plus haut niveau en boxe française, puisque j'ai fait plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe pour cette discipline. C'est pas évident qu'il soit remonté. Si j'ai pas un plan, c'est pas facile. C'est que pour moi la boxe française c'est l'école de la boxe pied-point, c'est vraiment le sport pied-point le plus complet qui existe. À l'heure d'aujourd'hui je prépare des athlètes de toutes les disciplines, parce que je prépare aussi mes athlètes en full contact, en kickboxing, en K1. Alors que moi je suis vraiment issu de la boxe française, même si après j'ai fait un peu de boxe anglaise. Je suis passé professionnel en boxe anglaise. Ayant tout gagné en boxe française pendant des années, j'ai envie de faire autre chose. Et on fait le tour en boxe française, j'ai dominé la boxe française pendant une dizaine d'années où j'ai gagné pas mal de titres. J'avais envie de faire autre chose, donc je suis passé professionnel en boxe anglaise. Et j'ai fait une petite carrière en boxe anglaise. Parce que j'ai fait 26 combats professionnels et j'ai fait 3 fois champion de France. Mais je suis toujours, dans mon esprit, je suis toujours resté boxe française. Je pense que c'est ce qui a fait ma force en boxe anglaise. C'est qu'en boxe anglaise, en gardant l'esprit boxe française, j'ai toujours eu un bon jeu de jambes et un bon jeu défensif. Comme pour moi la boxe française c'est vraiment une belle discipline, on apprend plein de choses, l'aspect technique et tactique, qu'on n'apprend pas forcément dans les autres disciplines. Voilà, donc c'est un sport que je recommande et qu'on peut commencer très jeune. On peut commencer très jeune la boxe française puisque dès l'âge de 5-6 ans, moi j'enseigne à des enfants dès l'âge de 5-6 ans. Et donc une évolution très intéressante. Et voilà, donc je pense qu'en boxe française, il y a vraiment plein de choses à faire, c'est un beau sport. C'est dommage qu'en France. Autour de la France, on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez de promotion, il n'y a pas assez de communication. Je pense que la Fédération Internationale, ça fait pas très longtemps qu'ils se sont ouverts, parce qu'avant c'était un Français, ça avait passé les frontières de la France. La boxe française n'était pas connue. Et je pense que c'est un sport qui demande à être vraiment reconnu. Je suis étonné qu'il en devienne un sport comme la boxe française, ne soit pas olympique. Il faudrait que davantage de pays comme les États-Unis par exemple, ou d'autres pays, vraiment s'y penchent et s'intéressent à la boxe française. C'est vraiment un sport qui est vraiment formidable. Dans mon cœur, je suis toujours resté boxe française. Même si j'ai fait plein d'autres choses, même si j'étais boxeur professionnel, même si aujourd'hui j'entraîne des boxeurs de haut niveau, de K1, de boxe thaï, je pense que ma force, justement, c'est le fait que je viens de la boxe française. Donc voilà, que dire de plus, le fait de la boxe française. En termes de technique, moi ma spécialité, c'est vrai que je travaille beaucoup. C'est vrai qu'en boxe française, on travaille avec des chaussures. Donc c'est vrai qu'avec la pointe de pied est très efficace avec la chaussure. On travaille au plexus, au foie. Quelqu'un qui maîtrise bien les coups avec les pointes de pied au corps, il peut aller très loin. Je pense que cette technique est vraiment
qui est vraiment efficace. D'ailleurs, moi, souvent dans mes combats, j'ai rencontré des experts du kickboxing, de la boxe, qui venaient faire de la boxe française. Et ce qui me surprenait justement, c'est ses coups au corps qui arrivaient avec la pointe, avec les chaussures, et ça les déstabilisait. Moi, c'était une de mes techniques favorites. Donc, c'est vrai que j'avais une bonne anglaise, donc d'abord, je travaillais au corps pour leur faire baisser les mains, et après, souvent, je terminais avec les points.